Allez, yop tout le monde, c'est BGK. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online. Nous allons parler eh bien, du nouveau DLC qui arrive le 7 mars. Eh, je vous avais dit quoi dans mes vidéos à chaque fois par rapport au nouveau DLC? Je vous ai dit 7 mars d'entrée, paf. Franchement, ça fait super plaisir. Mais juste avant de commencer, toujours pareil, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait et à me lâcher ton meilleur like, ça fait super plaisir. Un très grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Et vous connaissez la chanson, j'ai envie de vous dire, on peut commencer la vidéo. Donc tout d'abord, eh bien, nous allons lire le communiqué de presse. Vous avez le trailer qui passe en boucle depuis le début de la vidéo. Et bah, il va rester un peu en boucle, comme ça vous allez voir les images. Et on en parlera juste après. Donc ce qu'il faut savoir déjà, eh bien, c'est que ça sort le 7 mars sur toutes les plateformes. Donc PS4, Xbox One, PS5, vraiment tout ce que vous voulez. Donc c'est très cool. Allez, on est parti. Donc, dans le raid de l'usine Clucking Bell, disponible 7 mars dans GTA Online, vous allez devoir exécuter un plan ingénieux visant à révéler un système de corruption aux profondeurs incendiées. Vous avez déjà reçu un appel de Vincent Effenberger, l'ancien chef de la sécurité du Diamond Casino, devenu agent du LSPD. Il vous propose maintenant de travailler avec lui pour une collaboration peu orthodoxe, mais néanmoins lucrative. On va être payé, c'est bien ça. Donc, afin de neutraliser un nouveau cartel opérant un trafic à grande échelle depuis l'usine Clucking Bell de Paleto Bay. Aidez Vincent à résoudre l'affaire dans cette nouvelle mise à jour pleine d'action en neutralisant un réseau de flics corrompus du LSPD, un dangereux nouveau cartel qui utilise l'usine de Clucking Bell comme façade légale. Le raid de l'usine Clucking Bell propose également de nouveaux véhicules à acquérir et à personnaliser, comme la Bravado Gunsley Interceptor. Là, il y en a beaucoup qui vont être contents. Une féroce voiture des forces de l'ordre. Et d'ailleurs, voiture qu'on voit dans le trailer de GTA 6, je vous rajoute aussi. Donc ça, c'est magnifique. Ah, j'ai trop hâte à ce que GTA 6 sorte. Je sais pas qu'est-ce que vous, mais là... Ah, moi, j'ai trop hâte. Vraiment, j'attends 2025 comme le bon Dieu. Je suis contente, franchement, ça fait plaisir. Donc, disponible le 7 mars pour tous les joueurs de GTA Online sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One et PC. Eh, je serai là pour vous faire le live, pour vous faire les vidéos et tout. Franchement, c'est sympa. Je suis contente que ça sorte le 7 mars. Mais du coup, ça sort un jeudi aussi. Donc, un peu comme la partie 2 du DLC Los Santos Drug Wars. Donc, maintenant, parlons de ce petit trailer. Donc, première photo, eh bien, la magnifique Gunsley Interceptor. Franchement, elle est trop belle. Je vous remets l'image avec, celle de GTA 6. Franchement, ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte. Deuxième image, alors regardez qui nous voyons, c'est assez rigolo, nous voyons le petit-fils de Michael, donc Jimmy de Santa, c'est assez rigolo, donc à voir si on aura un contact avec lui directement dans le DLC ou quoi que ce soit, mais franchement ça fait super plaisir, à voir ce que ça donne. Et vous voyez que là, je sais, c'est vers chez, je vais pas dire des conneries, mais c'est un peu, j'ai l'impression, un peu vers les canaux là, de Vespucci là, cette photo-là. Ensuite, eh bien, nous avons Vincent et du coup toute une team. Donc vous, mettez-vous à la place de ces gens-là avec vos potes qui sont en train de rencontrer Vincent. Alors il y a pas mal de trucs qui avaient fuité depuis le mois de décembre, donc avec le nouveau DLC qui était arrivé, la casse auto. Il y avait vraiment pas mal de missions qui ont leaké, les cinématiques ont leaké, donc il y a plein de gens qui savent ce qui va se passer. Moi je vous le partage pas, je préfère pas, on découvrira tout ça ensemble, je ferai plein de vidéos et tout. Et puis on se prend pas la tête, on est là, on est bien, donc voilà. Ensuite, eh bien, la fameuse usine, je trouve ça un peu horrible avec les poulets là, les pattes en l'air, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Encore une fois, donc là, ça doit être un méchant monsieur du fameux cartel, toujours avec nos petits poulets, c'est toujours autant horrible. Mais bon, on dira rien. Donc toujours pareil, Vincent là et toute votre team, du coup, au commissariat du LSPD avec Specci. Prochaine photo, eh bien là, on est sur le train, donc Clucking Bell, ça va être stylé. Scène-là avait fuité, la vidéo, enfin, cette cinématique-là avait fuité, si je dis pas de bêtises, j'ai pas tout regardé, mais je suis un peu au courant quand même. Vous voyez, c'est stylé quand même, avec le chariot élévateur, il enlève le collier et tout, hein. Franchement, pas mal du tout. Donc là, un gros plan sur toute l'usine Clucking Bell.
Ici, c'est grave stylé, donc ça va être nous avec nos petits potes sur les petites bikes, sur les petites motos. Et bien là, on tire sur un. Sur le camion, donc le Kinbell. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, peut-être ça va être des missions de prépa, ou si directement on va y aller, ça j'en sais strictement vraiment que dalle. Donc ici, et bien, petite photo, comme vous pouvez le voir, avec un gentil monsieur qui a l'air de donner un petit coup de. Comment on appelle ça ? Enfin, soit il arrache des câbles, ou je sais pas qu'est-ce qu'il fout, mais ouais, il a l'air d'arracher un câble. Et ça, il a l'air d'arracher un câble du camion, donc qui peut-être pour pas le faire démarrer, ou j'en sais rien, à voir ce que ça donne. Ici, eh bien, nouvelle voiture, si je dis pas de bêtises, ou soit peut-être qu'elle est sortie, je me corrigerai dans la vidéo, ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse. Donc, est-ce que la voiture est déjà sortie ? Oui, non. Coucou, du coup, c'est Emma du montage. Alors, oui, ça sera une nouvelle voiture. Elle est prévue depuis le DLC de la case de haut vol, donc ça fait quand même 3 mois. Pareil que la Gunslay Interceptor. Et elle s'appellera la Canis Terminus. Je vous invite à aller voir la vidéo que je vous ai fait par rapport à tous les véhicules, si jamais vous êtes curieux. Mais c'est vrai que là, on n'en a pas 36 000 qui vont sortir. Quoi. Voilà. Donc, franchement, assez stylé. Avec des explosions et tout. Franchement, ça fait trop plaisir. Et la petite voiture qu'on peut voir derrière, là. Donc, à voir ce que ça donne, encore une fois. Donc ici, toujours pareil, Vincent, et on a le fameux monsieur là, regardez ce qui c'est qui nous paye. C'est le monsieur quand on finit le braquage de Caillou Perico, j'allais dire quand on finit monsieur Mini Madrazo. C'est horrible dit comme ça. Mais du coup, le monsieur là qui nous paye à chaque fois que vous finissez Caillou Perico, vous allez à la maison, quand vous avez fini le braquage, vous êtes à la maison de Mister Mini Madrazo. Et c'est lui à chaque fois qui arrive avec son sac, qui te sert la pince et tout, voilà. Donc là, ce sera lui qui effectuera le paiement aussi. Toujours pareil, donc dans un même endroit comme dans un autre endroit, je pense. Quand à la fin, t'as une première cinématique, après t'as l'autre. Donc voilà. Donc la petite image avec la petite Gunslay Interceptor et peut-être le nouveau véhicule. Ça dépend de ce que je vous ai dit juste avant. Ici, nous avons un petit passage où un busard tire sur un yacht. Alors franchement, c'est assez rigolo, mais on va avancer juste un peu. Sur cette image, et vous voyez qu'en fait nous on a l'air d'être dedans, dans le yacht, donc je sais pas qui c'est qui va nous attaquer comme ça, sûrement ceux du Clucking Bell qui sont pas très contents, mais ça a l'air trop stylé. Oh, j'aurais kiffé être dans l'hélico là, tout faire péter sur le yacht, ça aurait été trop bien. Je suis méchante quand même, pas très sympa. Ici notre petit Vincent dans la magnifique Gunslay Interceptor. Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette tuture. Et donc là on a le train du coup, le train qui passe à Clucking Bell, qui nous explose une petite voiture et qu'on va devoir attaquer visiblement. Voici pour le petit trailer, donc après vous voyez l'artwork, le Clucking Bell, raid de la ferme, enfin bref le raid sur Clucking Bell le 7 mars. Disponible sur toutes les plateformes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai vraiment trop hâte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous d'avoir regardé celle-ci, en tout cas. C'était BGK, je vous dis bon game sur GTA Online. Ciao tout le monde.